Seigneur, nous tenons cette vie qui est dans ton sang. And Lord, we take la protection, la justification, that represents your blood, tout ce qui est attaché, any justification, anything that is attached partage, to this wine is our share. Le nom puissant de Jésus, et nous prenons cette vigne au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. And let's take the wine. As a sign of reception, let us be a little silent before the Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur, nous te disons merci, nous avons pu ce repas en ton honneur. Un signe de reconnaissance. Et comme tu l'as dit, tout ce que tu as promis, la guérison, la protection, la justification, le renouvellement en toi, que cela soit le partage de chaque personne. Et nous scellons cette prière dans le sang de Jésus. Et le Père dit Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Merci. Baptisez, vous allez approcher. Venez devant. All the baptized, come forward. Alléluia. Vous allez vous tourner vers le peuple. You're going to turn, you know, and face your people. C'est pratiquement toute l'église. It's pretty much the whole church, I guess. We give praise to God. We give praise to God. The tall one can come to the back and the tall one has to be behind. Pastor Ben, you have to come in the back. Hallelujah. Pastor Ben, Pastor Ben. Pastor Postin, la communauté, c'est moi, on va se lever. Et nous allons prier pour nos bien-aimés. Alléluia. Nous allons les recommander à la grâce et la faveur de Dieu. Et spécialement au Saint-Esprit. Alléluia. Afin qu'il les remplisse. Alléluia. So we can fill them up. Ils ont reçu le Saint-Esprit. They have received Jesus, they have received the Holy Spirit. Saint-Esprit. Now let them be filled up of the Holy Spirit. La plénitude. Of all his fullness. Afin qu'ils aient servi. So they can go and serve. Afin qu'ils soient remplis. D'un zèle agréable. So that they can be filled up on the zeal. So they won't come back. So they can go forward with the Lord. In the name of Jesus. Let's pray. We put the Jesus in the book and all the men. Et tenez Dieu tout puissant. Ils ont pris pour nous. Ils ont pris en toi, ils ont pris la décision. Et le coup de Dieu, on va les acclamer, on va acclamer Dieu pour eux. Vous It's a decision that glorifies the Father, that glorifies the Son, glorifies the Holy Spirit. All our encouragements and all our congratulations. To be baptized is part, or to get baptized is part of the will of Christ. Baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un ordre.
For a child of God and for a servant of God as well. Et nous tous nous avons obéi à cet ordre. And we are all obeying to that order. Pasteur Faustin, moi, la servante de Dieu. Pastor Faustin, I am the servant of God. Nous avons donné les instructions. We gave all instructions. Et vous avez été baptisé hier. And you were baptized yesterday. On dit merci à chacun. We say thank you to each one of you. Merci au serviteur de Dieu et à la servante de Dieu. Ce matin, spécialement pour les baptisés. Nous allons prendre la Sainte-Seine. We're going to take special Holy Communion. Et avant de prendre la Sainte-Seine, on va vous instruire. And before we take the Holy Communion, we will educate you. Vous sachiez ce que ça veut dire. We will instruct you so you will know the meaning of it. Que vous prenez la Sainte-Seine de manière digne. So you can take the Holy Communion in a worthy way. Donc, on va lire 1 Corinthiens 11. So you will read in 1 Corinthians 11. Verset 23. From verse 23. Au verset 30. From 33 to 30. From 23 to 30. Amen. Are we the word of God? Quand j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, pour qu'il célébrait, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prit la coupe. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en croirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. C'est pourquoi celui qui mangera pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Que chacun dans ses pour soi-même et que s'il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Amen. Et qu'un grand nombre soit mort. Amen. Qu'un grand nombre soit mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le repas du Seigneur. Holy Communion is the meal of God. Nous prenons ce repas en souvenir de notre Seigneur. Voilà, prenez, on prend le repas du Seigneur en sa mémoire. We take the meal of God in His memory. En signe de reconnaissance. As a sign of remembrance, son nom. It is a way to glorify His name. Mais à la condition. But there are conditions. D'abord, il faut être baptisé. You have to be baptized. C'est ce que vous avez fait hier. That's what you did yesterday. Donc vous êtes devenu des ayants droit. So you have a right, you are righteous. Mais quand bien tu es baptisé, even though you are baptized, il faut prendre la Sainte-Seine de manière digne. You have to take the Holy Communion in a worthy way. Mais digne, ça veut dire quoi? What does that mean, worthy? La Bible dit de s'éprouver soi-même. The Bible says you have to check yourself. Analyse ta vie. You have to analyze your life. Si tu as péché, if you have sinned, demande pardon. Ask for forgiveness. Demande miséricorde. Ask for mercy. Pour que tu sois sanctifié. You have to be sanctified. Avant de prendre la Sainte-Seine. Before you take the Holy Communion. La Bible dit aussi, il faut le corps de Christ, tu dois l'analyser. The Bible says that you also have to analyze the body of Christ. Le corps de Christ, c'est quoi? What does that mean? The body of Christ. Le corps de Christ, c'est toute l'Église. The body of Christ is the whole church. C'est chaque membre de l'Église. It's every member of the church.
Et elle nous encourage, elle nous recommande de nous réconcilier avec chaque membre de Christ. And recommending us to be reconciled with each member of the body of Christ. Si tu as un problème avec un frère, because if you have a problem with a brother, réconciliez-vous d'abord. You have to reconcile. Tu ne peux pas venir prendre la Sainte Seine. You cannot come and take the Holy Communion. Alors que tu as des rancunes. And when you have things in your heart, you have bitterness against a brother or a sister. It is very important. If you don't do so, and then you take the Holy Communion, you are doing it in a war game. Reconcile yourself with Jesus. And also reconcile yourself with the body of Christ, which will be all the members of the church. Then when you take the Holy Communion, you are blessed. There are advantages, benefits. One of the advantages is the renewal in Christ. Justification in Christ. Healing. Et à la protection. And protection. Le sang de Jésus te protège. The blood of Jesus protects you. Le sang de Jésus te guérit de toute maladie. The blood of Jesus heals you from all sicknesses. Et le sang de Jésus te justifie. And the blood of Jesus justifies you. Voici les avantages. Those are the advantages, the benefits. Chaque enfant de Dieu, each child of God, qui est baptisé, that is baptized, peut réclamer cela. Can claim that. Au travers de la science. Through the Holy Communion. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Acclame le Seigneur. Let's clap for the Lord. For the new baptized. Nous allons prendre la Sainte Seine. Ensuite, on va prier pour eux. And then we're going to pray for them. Les prières que nous allons faire sont simples. Pray that we're going to proclaim are very simple. Le premier volet. The first part of it. Ils ont déjà le Saint-Esprit. They already have the Holy Spirit. Oui, parce que la Bible ne se dédie jamais. Because the Bible never denies itself. Celui qui a reçu Jésus. The one that received Jesus. A reçu son Esprit. Has received His Spirit. Donc, ils ont déjà le Saint-Esprit. So they already have the Holy Spirit. Nous allons prier pour eux. We're going to pray for them. Afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. So they can be filled up with the Holy Spirit. We want to pray à toute bonne œuvre. So they can be ready to any good work. Remplis d'un zèle agréable. Full of zeal and great zeal. Et nous allons demander à l'Esprit de Dieu de les protéger. And we're going to ask the Holy Spirit to protect them. Afin qu'ils ne retournent pas en arrière. So they won't have you not to backslide. Que le Seigneur vous bénisse. Including the new baptized, everybody else that is baptized can take the Holy Communion today. Lord, we bless you, we give you all the glory. We present you this meal, the bread that represents your flesh, your body. And the wine that represents your blood. We take it with action of grace. You sanctify and purify it. So that we can make us feel good. In the name of Jesus. Amen. Amen. Le nouveau baptisé. Voilà le nouveau baptisé. Ceux qui sont baptisés par immersion. Levez-vous à l'honneur. Appelez les enfants qui sont derrière. Kevin and Mary and Christiane. Voilà tous les enfants qui sont derrière. Do you have a plan?
Que chacun analyse sa vie. Il se réconcilie avec le Seigneur. Et que chacun discerne le corps de Christ. Which each person discerns. Il se réconcilie avec chaque membre de l'Église. N'ayez aucune rancœur. Il faut en avoir beaucoup, il y a des nouveaux baptisés, voilà, il faut prévoir. Vous pouvez vous asseoir en attendant pour vous. En train de faire une extension du repas. Voilà. C'est bon, c'est bon. C'est pas une corvée, on est devant le trône de grâce, mais à la faveur. Ce matin, d'habitude c'est la moitié de ça que nous faisons, mais avec les invités, les nouveaux baptisés, voilà, il a permis qu'on fasse plus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Chacun s'est réconcilié avec Christ. Each person will reconcile. A demandé pardon pour ses péchés. Each person will reconcile himself. Chacun a le corps du Christ. He asks for forgiveness. Each person will do so. Réconcilié avec ses frères et soeurs. You have to reconcile with your brothers and your sisters. Sans aucune rancune. Without any outrage in your heart. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur, nous prenons maintenant ce pain. Now we take this bread. Représente ton corps. That represents your body. Avec action de grâce. With action of grace. Ce qui est bénéfice.